Yo, la famille, c'est comment? Toujours irritant. Vous avez vu le titre, hein? Voilà. Moi, je suis pas bon monteur. Je sais pas faire les. Voilà. Mais vous savez, il y a framponné les titres là dans la vidéo. Je sais que ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, un message à tous les vrais fans de Bordeaux. Partage massif sur cette vidéo-là pour dire aux fanas de Paris que ce qui va se dérouler au Vélodrome demain. Ne vous faites pas raconter. Voilà. Et puis vous voyez aussi que le petit Nussi aussi est en tas. Il est rouge, hein, son clip. Hein? Gola, non, elle défraie la conique actuellement. Franchement, c'est le buzz sur le pouceau. Elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien. Mais oui. Ah, DJ Rafa, tu nous influences, hein? Big up là-bas. Voilà. En tout cas, soyez branchés. Voyez cette vidéo, ça vous plaît. Elle va vous plaire bien même. Les rétros qui vont faire retourner le Vélodrome demain. Avec Debordeaux, c'est la magie. On ne parle pas, on parle de manière précise et ça porte. Jingle. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Bon retour les gars, toujours irritant pour vous servir. Vous êtes en jaille et si tu es fier d'être magnan, faut partager vidéo là. Laisse les gens parler. Toi-même tu connais le baraque qu'il fait pour monter Bordeaux. Faut partager la vidéo. Les gens vont écouter ce qu'il va faire ce soir au Vélodrome. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc moi je mets la sauce, la dernière sauce pour casser le Vélodrome. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Voilà. C'est très important. Et n'oubliez pas, aujourd'hui à 16h, j'ai promis une vidéo sur Kedji Vara qui va encore faire parler d'elle. Cette vidéo-là va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Voilà, et vous savez que ceux qui font les bruits ici, hein, vous les connaissez. Voilà, je leur ai même demandé de s'abstenir, de regarder cette vidéo-là, parce que ça sera encore un avis personnel qui va venir tout framponner, tout fracasser et encore déranger certaines personnes. Donc, l'injure gang, voilà. Il y a les vrais Chinois et puis il y a les injure gang, ce sont les faux Chinois. Abstenez-vous de regarder ma vidéo de 16h. Je vous en prie. Je vous en supplie. Voilà, je vous en supplie. Merci, c'est très important de le dire. Sinon, si tu as regardé, ça te risque de péril. C'est à 16h. Mais toi seul, comme vous n'êtes pas beaucoup, j'ai pas besoin de vous sur ma vidéo. Voilà, les vrais là vont partager ma vidéo puis vont augmenter mes vues. Voilà. Si tu as regardé, ah, ça t'a touché, ça t'a parlé. Et puis vous savez aussi, hein, Arel Chene, le clip en train de framponner, hein, la go qui fait polémique actuellement. Franchement, elle a une forme bizarre. Des yeux bizarres. Apparemment, on me dit qu'elle est américaine d'origine togolaise. Ah, c'est cool. Alors, je n'ai pas bras long, hein. Oh, mais c'est Sony Music qui est derrière. Parce qu'on me dit qu'elle fait les clips, hein, les icônes, hein, les Jay-Z, tout ça là. Comment tu as fait? Bon, tout ça là, c'est la chinétisation. C'est très important de le dire. Voilà. Donc, on va commencer avec qui? Moi, j'aimerais bien commencer avec cet artiste-là. Il sait où on parle de lui. Il chante où on parle de lui. Il fait direct où on parle de lui. De Bordeaux Likoufa. Et commencer par toi. Mais cette vidéo-là, c'est pour dire aux fans de Paris que ce soir, ce qui va se dérouler au Vélodrome, faut pas te laisser raconter. Voilà, toi tu connais Hirito. Comment il parle, c'est que c'est jazz. Tu peux pas aller à un spectacle de Debordeaux et puis tu t'ennuies. Animation, il est prêt. Mélodie, il est prêt. Bébé, il est prêt. Raga, il est prêt. Donc, il faut te déplacer. Cassez le Vélodrome, vous tous vous allez rentrer. Voilà, ne me dites pas que le Vélodrome ne peut pas contenir tous les fans de Bordeaux de Paris. Partez là-bas, vous allez casser le coin. Ah! Quand on voit les images comme ça, là, nous on est fans. On dit au moins, il y a des gens qui répondent là-bas. Il y a des vrais magnans aussi du côté de Paris. C'est très important. Voilà. Donc, on va commencer par quel titre? Il y a un titre qu'il a fait dans le temps, qui était un peu, pas la réponse, mais la version de l'hommage des taux. Kedji Jarafat, elle fait. Voilà. Et Debordeaux Likoufa, papa la mélodie, monsieur le mélodieux, a fait une version pour Rigobert Song. Je sais que les gens connaissent la vidéo là. Et la chanson. Cinéma Manoutou Mané, yeah.
Il y a des bandoliers couverts, yeah, yeah. C'est l'imam Foudoulou. Et j'y vais dans la carte, Non, franchement, comme celui-là aussi, il monte là, il est morceau là, il peut pas chanter comme lui, c'est trop difficile. Bizarrement, je n'ai pas aimé la sélection de musique. Demande-moi de faire jouer tes anciens sons. Oh yame, oh yame, oh. Na Zambia, maman les connaît. De Bordeaux, ya Zambie, maman les connaît. C'est mon ya Zambia, maman les connaît. Yezalale, de Bordeaux, les couvées, yezalale, yé. Oh yame, oh yame, oh. C'est une histoire de Bordeaux, les couvées. Il faut être jaloux pour ne pas reconnaître que Mogola, il est faux. Même si lui, aussi, c'est ça, il peut bro-bro même. Pour être plus loin que où il est actuellement. Mais on lui parle, son oreille est tue, c'est compliqué. Et j'aime bien ce morceau-là, rien que la nation. Baby ya patakimbo lingo ya solo liliya. Baby ya patakimbo lingo ya solo liliya. Yamiri utuwe masani. Alléluia, Yamiri, tu es ma sainte. Adé, Itato Alama, Willy Rambo, Willy Rambo, des Bordeaux Likoufa, des Bordeaux Likoufa. Je ne sais même plus quoi chanter. Tellement que c'est que de la mélodie. Il y a un morceau qu'on n'a pas connu à des Bordeaux Likoufa. Il y a des Bordeaux Likoufa. Bizarrement, ce son, il n'a pas fait beaucoup de promos, donc c'est passé inaperçu. Oh, c'est un dangereux son. Ça avant les. Ici, tu l'as Ici, tu l'as Oh. Je m'appelle Debordo Likoufé. Je vous ferai danser, danser. Je vous ferai bouger. Agaza, oh, agaza. Donc, les amis, on ne va pas trop parler. Il y a trop de sons. Hein? Ça se passe ce soir au Vélodrome. Donc, j'invite tous les vrais fans de Debordo à vous déplacer massivement. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Déplacement massif. Les gens n'ont qu'à parler, mais dites-leur que nous, on est et on demeure fans des Bordeaux Likoufa. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Vélodrome ce soir. On vous regarde. Hein. Si vous avez fait notre appel à taper poteau, ah, nous on fait une vidéo pour vous attacher aussi. Mais il y a trop confiance en vous. Je sais qu'il va briller encore. Voilà, pas un moment là, il va briller ça encore. Ah, au moment même où on n'était pas celui-là, mais il a cassé le coin. C'est pas Vélodrome où tout Paris est en train de parler du spectacle de Bordeaux, il va pas briller. Donc, nous on attend les images sur YouTube. Oh. Tué avec des Bordeaux Likoufa. Là, on va parler maintenant du petit Nussi, Ariel Chiney avec son clip Amina. Franchement, très très beau clip. Très beau clip. Il n'y a rien à dire. Et moi, ce qui m'a plu, qui m'a vraiment vraiment plu dans ce clip-là, c'est le scénario. Ça raconte une histoire. Et franchement, moi j'aime bien ce genre de clip-là. C'est-à-dire même, c'est un sourd qui regarde le clip, il va comprendre le clip d'Ariel Chiney. Et franchement, il faut le féliciter pour ça. Il faut féliciter Ariel Chiney pour ça parce que c'est un gros travail et c'est un gros investissement. Quand tu regardes la qualité d'image, tu regardes un peu même la figurante, même dans la vidéo, franchement, elle te parle de 5, 6 000, 7 000 dollars pour le clip. Ça fait à peu près, je crois, 4 à 5 millions. C'est beaucoup, hein? Donc, ça peut dire que le petit, il est plongé dans le professionnalisme. Il est vraiment, vraiment plongé dans le professionnalisme. Excusez-moi, il y a des mouches autour de moi, là. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, sachez que j'ai rien compris. Il a laissé son vivo et a posté le clip sur sa chaîne ordinaire. Bon, peut-être qu'ils vont combiner ça après. J'espère que ça va pas créer des problèmes comme pour Didier Arafat. Hein, parce que depuis que Didier Arafat a combiné son vivo et sa chaîne ordinaire YouTube, les vues sont pas trop ça. Mais apparemment, toi, tu es en train de partir vers les 100 000 vues en moins d'un jour. Tu as posté le clip hier à minuit. Franchement, félicitations. De hier à minuit jusqu'à ce matin à 7 h, il était déjà à 40 000 vues.
Ça, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et Arachini, franchement, Didier Arafat, tu as accouché vraiment un lionceau qui est en train de devenir un lion. Franchement, voilà. Il ne va jamais se comparer à toi, mais dis à tes faux chinois là de laisser le petit vivre, de laisser le petit faire sa carrière musicale, c'est très important. Voilà. Ils n'ont qu'à le laisser. S'il se paie haut, s'il vaut rien haut, s'il a plagié haut, ils n'ont qu'à le laisser. Et puis un scoop. Actuellement, parmi vous aussi, il y a un qui a envoyé un concept plagiat, ça va mal prendre. Mais c'est l'actualité du moment. Histoire de plagiat, qui a plagié qui s'est noyé dans qui. Donc, puisque nous, on n'est pas encore prêt à faire une carrière solo dans la musique, je vous lance ce scoop-là. Un homme voudra faire. Allez, plagiat, oh, il a noyé. Allez, plagiat, oh, il a noyé. Allez, plagiat, oh, il a noyé. Ça, c'est pas du Arafat, ça. Allez, plagiat, oh, il a noyé. Bon, juste pour déconner, quoi. Juste pour dire que si parmi vous, quelqu'un a fait ça, ça va prendre voilà. En tout cas, je vous invite tous à aller regarder massivement le clip d'Ariel Chiné. Et je sens que ce clip va vite atteindre le million de vues. De toute façon, il est en train de progresser là. Parce que tout le monde a envie de voir là, cette fille là, cette togolaise là. Tout le monde a envie de la voir. On dit elle est bizarre, ses yeux sont bizarres, mais elle est mal bonne, elle est très bonne. Elle est bonne, putain. Bon, c'était la vidéo du jour. Hein. La vidéo où M. Irito va se concentrer, c'est à 16h. Donc rendez-vous à 16h.